Bonjour les amis de Nadrille, j'espère que vous allez bien. Désolé d'avoir mis du temps pour vous publier une vidéo. J'étais un tout petit peu chargée, débordée par le travail et autre chose en famille. Voilà. Mais aujourd'hui, me voilà de retour pour une nouvelle recette que j'aime beaucoup. Celle de la moimbe avec la queue de bœuf fumée. Alors, j'ai longtemps hésité pour vous la partager, mais je me suis dit, c'est bien que je vous partage une belle recette d'Afrique. Et je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. On la refaisons à la maison chez vous. Donc, ici, dans l'assiette, j'ai 1 kg de queue de bœuf fumée. Ensuite, 800 g de trophée, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 2 cubes, plus le poivre noir. Dans ma casserole, sur le feu moyen, je veux mettre 1,5 litre d'eau. Là, sur la mesurette, je vous montre des millilitres, donc je vais faire x3. Ensuite, je vais rajouter mon trophée. D'accord, les amis? Et par la suite, je vais venir touiller pour bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter mes légumes, donc mon oignon et mes 2 gousses d'ail bien coupées en fines lamelles. Une fois les légumes rajoutés, je vais rajouter ma queue de bœuf fumée dans la casserole. Et par la suite, je vais mettre mes 2 cubes. Puis, 1 cuillère à café de poivre noir. Vous constatez, les amis, je mets tous les ingrédients en même temps. C'est une cuisson facile que je vous montre pour tous les débutants. Chez Nadri, quand vous venez, vous êtes censé savoir cuisiner. Donc là, j'ai laissé cuire pendant 45 minutes. Et 45 minutes plus tard, je viens surveiller ma cuisson. Là, comme vous voyez, la sauce, elle est bien épicie. Vous pouvez vous en arrêter là. La cuisson, elle est bien prête. D'accord, les amis? Mais moi, là, je vais rajouter les foumbois. Ce sont des légumes que nous confectionnons beaucoup en Afrique. Nous aimons bien, quand nous faisons ce genre de recette, rajouter ces légumes finement coupés. Donc, moi, je vais les rajouter. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, les amis. Donc, je vais auparavant les laver. Ensuite, je mets la quantité qui me convient. Et je vais par la suite touiller pour bien mélanger le tout. C'est par là que va se terminer cette vidéo, les amis. J'espère bien qu'elle vous aura plu. Et merci pour toutes les personnes qui ont pris la peine de la regarder jusqu'à la fin. Surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Partagez au maximum pour aider d'autres personnes aussi qui veulent apprendre comme vous. Et mettez-moi plein de pouces bleus. Et on se dit à très bientôt pour de nombreuses vidéos chez Vidéo de Nadrille. Au revoir.